J'ai vu des gens utiliser cette sorde qui est incroyablement trop toxique. Sauf que je ne l'ai pas depuis le temps. Et ça s'appelle la charcanchor. Et j'aimerais bien la débloquer parce qu'il y a tant donné qu'il y a trop de gens qui l'utilisent de façon toxique. Et je me dis pourquoi ne pas l'utiliser au moins une fois et l'avoir en fait. Pourquoi pas? Aussi ils l'auront, pourquoi pas moi? Et ça me permettra aussi d'avoir toutes les sordes. Étant donné que ici, je n'ai même pas cette sorde là en fait. Normalement, il y a un collègue qui est censé m'aider, mais sauf qu'il est parti. Il est parti où? Ah, t'es là toi, t'es là. Ok, vas-y, je vais nous téléporter à Tiki. Let's go. Ok, c'est où déjà? De quel côté? Vas-y que je... Waouh, pile poil, on est rentré pile poil. Ok, attends, est-ce que tu essaies de craft le premier? Ça me dira que je l'ai déjà. Ok, j'ai déjà cet item. Ok, c'est bon. Ça m'a dit que j'ai déjà cet item. Aïe, aïe, aïe. Ok, le deuxième. J'ai déjà cet item. Ah bah, maintenant il ne reste plus que la troisième. Hein. Ok, attends. Le monster magnet. Ok. Je l'écrase. Il est où? Ah, il est là. Il faut que j'aille prendre le Sharkman Karaté. Aïe, aïe, Sharkman Karaté. Attends, je pense que je vais pas équiper la Saber. Je vais prendre la Belly Sword. Elle est parfaite pour les Terra Shark, je trouve. Ouais, la Belly Sword. Bien soignée. Aïe, 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 Belly Sword. Allez, vas-y, je suis là. Ok, je vais t'ajouter un allié, là. Aska BSK6. Ok, let's go. Là, on peut y aller. Allez, je me souviens quand je cherchais des sharks, il y avait trop de terror sharks. Maintenant là qu'on est en train de chercher des terror sharks, maintenant il y a zéro terror shark, il y a que des sharks qui se baladent. On arrive dans la zone 5. Rumbling Water. Allez, on peut se rapprocher. Oh la dinguerie, ça fait mal là. Vas-y, V4. Il est mort et j'ai reçu 700 valeur. Ah bah, alors là, j'ai été obligé carrément de équiper la Dark Blade parce que les attaques ne touchaient pas. Attends, mais là on est allé jusqu'à 7600 mètres là. Non, le bateau, non! Vas-y, il n'y a plus rien à faire ici, on se reset. A few moments later. Oh le Rumbling Water, il est où le Rumbling Water? Il est là. Wesh, il faut qu'on sorte d'ici parce que là je vais vraiment ragar. Alors, j'ai toujours ce fameux magnète. On a zéro terror shark depuis tout à l'heure. Zéro terror shark. Depuis tout à l'heure, on est en mer, mais on a rien. Allez, c'est n'importe quoi. Waouh, les cibistes, wesh. Wesh, y'a combien de cibistes là? Oh, le Rumbling Water! Ah, j'ai 3000 HP. Ok, j'en ai tué un. Je commence vraiment à m'inquiéter, est-ce qu'il y a vraiment des terror sharks dans cette mer? Parce que depuis tout à l'heure, ça fait déjà long et on n'en a pas trouvé une seule. Hein. 12 seconds later. Enfin le premier terror shark qu'on vient de trouver depuis tout ce temps. Dommage que ce n'était qu'un terror shark normal, mais bon, c'est déjà mieux. Let's go, on va certainement trouver d'autres terror sharks qui nous attendent. Wesh, laissez-moi frapper, il va bientôt mourir. Non. Ah. Il a plus HP, il a 4, il a 2000 HP. 2000. Ah, je me fais toucher une fois, je suis mort. Wesh. Il fait mal, hein, il lui reste plus que 14 HP. 14 000 HP. Mais je pense qu'il y a moyen que je meure avant lui. Wow, il attaque. Let's go. Oh là 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 là. Le terror shark, il est là. Il a beaucoup d'HP. Il faut absolument ma V4. Parce que là, ça devient galère. Désolé, Sylvist. Mais je te sacrifie. Ma V4. Vas-y, V4. Vas-y, on va rester là pour mettre... Voilà, on va mettre ce fruit là.
Par contre, la V4, elle me sert complètement à quelque chose là. Non! Non, 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 non! Je ne peux pas perdre aussi si près du but comme ça et perdre. Un coup, il meurt. Un coup, il meurt. Un coup, il meurt. Il a plus d'HP. Il a plus d'HP. Oh, le heal! Non! Non! Mais j'arrive pas à faire des dégâts. Vas-y, il est mort. Let's go! Finalement, j'ai fini par avoir enfin la chacun encore. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Mais elle est où? Hein? Ah, mais elle est là? Let's go! J'ai travaillé tout ce moment pour avoir ça là. Maintenant qu'on l'a, ce qu'on va faire, on va d'abord profiter pour le monter des masteries. J'ai envie de voir vraiment ce que ça donne parce que j'ai vu que dans les serveurs, les gens ils jouent extrêmement toxique avec ce truc. Donc on va essayer de rentabiliser tout ce temps là qu'on a passé pour l'obtenir. À présent, on va pouvoir utiliser enfin notre glitch spécial. Waouh! Hey, cette sword elle est grande hein! C'est une dinguerie. Allez, on l'a même pas encore mis. Wesh! À présent qu'on a utilisé le glitch pour avoir une grande sword comme celle-là, on va utiliser encore un autre fruit qui nous permettra à ce que les mobs ne me touchent pas. Bon, certes, je n'ai même pas de mastery dedans, mais ça va juste permettre aux mobs de ne pas me toucher, voilà. Ça sera plus efficace pour pouvoir farm. Bon, par contre, moi, j'aime toujours prendre les quêtes, donc du coup, je vais prendre les quêtes. Ouais, quand ça peut gagner de l'argent, il faut bien. Alors, on va frapper tous les mobs. Waouh, je me mets. Oh la dinguerie! Oh les mastery! Wesh! Waouh! Oh! 199! Déjà, c'était rapide. En fait, je me suis dit, c'est mieux de faire les mobs qui se trouvent ici que de faire les mobs qui sont là-bas. Parce que les mobs qui sont ici, en fait, ils sont pas vraiment loin. Ouais. Ils sont juste à côté. Il y a les mobs qui sont là et les autres, ils sont là-bas. Mais je viens de les faire, donc du coup, ils vont prendre le temps d'apparaître. Bon, on va d'abord faire ceux qui sont ici déjà. Ok. Et les mobs qui sont ici, ils commencent déjà directement à apparaître. Donc, on aura le temps de les faire en plus. On va tous les réunir au même endroit. Cette sphère, elle est tellement grande que ça prend tout l'espace. Et nous voilà enfin arrivés à 500 mastery. Bon, plus que 100 mastery. Et une fois les 100 mastery seront faits, on arrivera à 600. En vrai de vrai, ça va trop vite. Hein. Faut quand même pas que j'oublie de prendre ma quête. Parce que j'avoue que sans la quête, je gagne pas de thunes. 598 mastery. Plus que 2 mastery et c'est bon là. Allez, plus qu'une dernière mastery et j'arriverai à mastery 600. Et voilà, mastery 600. Enfin! Ça a été plus rapide que le temps que j'ai mis pour l'obtenir. Mais en vrai de vrai, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire les mobs ici. Donc automatiquement, j'imagine que j'ai fait déjà plus de 500 mobs depuis le temps que je suis là. Donc je vais aller voir si le boss il est là ou pas. Ah ouais, j'ai déjà fait les 500 mobs, c'est un truc de dingue, on va juste profiter de spawn le boss. Allez, let's go. Maintenant, on va profiter pour aller faire le boss. Dimension spawn. Bon, la dimension était spawn, donc du coup, on a qu'à le faire. Hein. Et voilà, Cake Prince, level 2300. Wesh, il attaque direct. Wesh, mais laisse-moi frapper. Allez. Wesh, par contre là, il commence déjà à spam son attaque. Wesh, encore cette attaque. Encore. Mais franchement, il abuse. Wesh, mais je pourrais jamais le tuer s'il continue à spam cette attaque. Hein. Il me laisse même pas le temps de le frapper. Mais wesh, plus que 2000 HP, let's go. Franchement, ce boss-là, il était rentable. Hein. À présent qu'on a fait le boss, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller apprendre à utiliser cette sword. Parce que c'est vrai que je l'ai fait à Master 600. Sauf que il reste quand même un truc très important. C'est de savoir l'utiliser. Parce que si je vais à un game et que j'essaie de PvP avec, je vais pas spam mes attaques comme ça, à la con. Sinon, ça sera débile. C'est chaud, hein. Attends, c'est... Bah en fait le C il veut pas passer.
Ah ouais, le combo il était parfait là. Je vais essayer de faire un autre combo pour voir. Attends. Hey! Pas comme ça fait mal. Là, le combo il était extrêmement bien. À présent que j'ai compris quelques moves, on va faire un petit PVP pour voir comment je m'en sors en PVP. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters. Je te jure, par contre, c'est le même temps de ce truc-là. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Ah ben comme ça fait de partout. Après avoir fait quelques tests avec cette sword, je trouve vraiment qu'elle est extrêmement toxique. Mais bon, je pense qu'il va falloir vraiment que j'ai un serveur public afin que je puisse voir son vrai potentiel. Mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Je vais continuer à m'entraîner un peu avec cette sword, comme ça si je vais un serveur public, je vais pas me faire éclater au premier coup. Donc surtout n'hésitez pas à m'encourager en laissant un petit like, pourquoi pas. Et aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si je vous dis tout ça, c'est parce qu'on est déjà vers la fin de cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, une vidéo de PVP spécialement sera faite avec cette sword. Et vous verrez si je m'en sors pas. Allez, let's go. Extension du territoire.